côté qu'on est problème insécurité n'a fait face à avec dans pays aujourd'hui en là li pourquoi résoudre ou ta rien mais pour qui ça m'bra l'expliquer est-ce côté qu'on est tout sous 5 membres CSPN qui gère responsabilité pour mettre plan stratégique pour combattre insécurité en dedans pays là quatre là-dedans yo gen gros accusation alliance appartenance avec gang en dedans pays en tout. Rete la m'bral bo tout information yo, tout détail yo nan yon ti moment. Mais ki te m'dou tout, jodi an nou genye nan émission an un diplomate, un jeune diplomate, Mackenlove Glorlands, qui pral expliquer nous tout enjeu guerre Russie-Ukraine nan genye pour Haïti. Parce que déjà là nou genye prix gaz qui a monté, prix pour pas nan genye monté. Napton pour nous ouais dans jour qu'a venir là aussi par le gain ajustement pour le fait encore sous gasoline sous diesel sous kérosène non parce que déjà là tout prix farine est en montée farine sac farine qui t'a vendre $35 américains qui t'a passé $45 américains dans Moscou en mois donc faut nous connait conséquence guerre là gain pour Haïti tout même là dans des Russie jour côté lié en Europe bien faut nous connait achat, nous avons acheté marchandises, nous acheté tout partout en dedans pays pour nous faire commerce. Eh bien, déjà, je m'invite à partager la vidéo, partager l'émission, puisque là, nous ne parlons pas des pays, nous parlons faire débat dans un petit moment. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Nous tous t'entendez à parler de CSPN. Ça qui arrive en pile dans nous t'entendez parler de CSPN, mais nous pas qu'on s'allier, nous pas qu'on rôle, nous pas qu'on comment là, nous pas qu'on qui mission le gagner en dedans pays. Eh bien, CSPN non qui s'allier. CSPN nan li défini comme Conseil supérieur police nationale et li genye là-dedans 5 membres. 5 membres sa yo ou joine premier ministre là qui joue rôle président CSPN nan ou joine ministre de la justice et de la sécurité publique qui joue rôle vice-président CSPN nan ou joine ministre de l'intérieur et des collectivités territoriales qui joue rôle vice-président CSPN nan, donc li gon président de vice-président et après ou genye en quatrième position directeur général PNH qui joue rôle secrétaire exécutif et puis après ou genye inspecteur général la police qui joue rôle secrétaire exécutif adjoint. Donc li genye un président, deux vice-présidents avec deux secrétaires exécutifs. Mais CSPN nan pa créé comme ça. Faut qu'on ait qui rôle CSPN nan, qui mission CSPN nan, et comment le fait là. Comment PNH en fait là? Parce que c'est pas un bon matin nous lever et puis nous t'en parler de police nationale d'Haïti. PNH li créé à partir de une loi de 29 novembre 1994 qui pote création, organisation, fonctionnement police nationale d'Haïti. Et c'est à travers loi ça, yo pral mette kapé différents organes qui pral aider PNH et réaliser mission yo gen comme protéger servir yo pral réaliser mission de répression de criminalité de banditisme de dans pays et parmi différents organes yo ou gen CSPN nan en lè ou gen police administrative ou gen police judiciaire des CPJ ou gen également et Académie nationale de police et puis après gagne École nationale de police qui l'a en renfort. Maintenant jodi an là nous avons grave problème de sécurité en dedans pays. Nous toutes nous wel nous connaît. Acteurs yo yo là ou gagne des autorités en dedans pays, est-ce que jodi an ka di yo joué rôle yo, est-ce que yo assumé responsabilité yo, est-ce que nous ka compter sur yo pour éradiquer phénomène banditisme, pour stopper kidnapping, pour mettre la paix dans ghetto yo dans quartier populaire yo, pour matisse praticable, pour quoi des bouquets praticables. Est-ce que nous ka attendre nous à ça? Est-ce que nous ka espérer ça? M'bral ba nou détail là. Ou gagne président CSPN nan qui c'est premier ministre Ariel Henry.
On nous garde parcours, on nous garde profil Ariel Henry. Ariel Henry, premier ministre de facto, même Ariel Henry, ça jodi, 8 mois après assassinat Jovenel Moïse, 8 mois après assassinat président, li fait carré, gen soupçon pesé sous dol, li fait carré, gen présomption pesé sous dol, de complicité avec Badjo Félix, comme moun qui participait dans touye, dans assassiné président Jovenel Moïse. Maintenant, posez-vous cette question. Avec Ariel Henry comme président CSPN, avec Ariel Henry jodi comme moun qui a une grosse responsabilité, qui t'a censé bataille avec CSPN, avec gros état-major la police, matin, midi, soir, pour regarder comment vous arrivez avec une solution, comment vous arrivez à bout d'insécurité, jodi lui-même. Li oblige à faire petit tâteau, à chercher qui façon pour le faire, qui stratégie pour le mettre en place, pour sortir de tête li de accusation qui pesait sous dol. Donc, qui ça nous attend aujourd'hui avec Ariel Henry, comme moun qui pral l'éradiquer, qui pral combattre l'insécurité, qui pral combattre les bandits en dedans pays? Alors que peut-être pas li gon label bandit, li gon statut gang, statut délinquant qui colle sous lui. Nous avons nos bras. Ou gagne ministre de la justice Berto Dossé. Berto Dossé il passé de présentation comme trafiquant de drogue, il passé de présentation, il joint arrestation déjà. Le ça Berto Dossé l'a dirigé, il c'est chef, il dans pouvoir judiciaire là. Et même Berto Dossé ça, il vole on 10 kg cocaïne. Yo marié le coca, même Berto Dossé ça, li gen dossier au niveau de la DEA, même Berto Dossé ça, li gen un dossier par rapport avec gros bateau de drogue qui te rentré au 12, c'est bateau sucre. C'est bateau sucre. Ou pral dim, nèg sa comme vice-président CSPN, comme moun ki la, pour mettre des plans stratégiques. Pour combattre l'insécurité, pour freiner Tilapli, pour freiner Iso, freiner la mort sans jour, qui ça nous attend de Nexa ou de mafia ça yo? Qui ça nous attend? Prends Lise Kitel comme ministre de l'Intérieur. Encore vice-président CSPN. Nous songez kidnapping Pasteur Ferrel. Bah, quoi, n'oubliez le. RNDDH Pierre Espérance sorti rapport. Même l'endroit de Pierre Espérance, c'est Tilanding, tek tek, la chèche, la mette pas se gagne tout des fois. Mais, en sérieux. C'est dans la radio oui, qui t'a demandé kidnapper yo, libérer Pasteur Ferré. Pasteur Ferré son monde qui malade, santé le pas bon, libérer li pas bon, on pas qu'à faire payer en ça. Et puis quelques temps après, Pasteur a libéré. Au ministre de l'Intérieur, au vice-président Conseil supérieur police nationale, moun sa yo qui gagne grande ligne sécurité pays en main yo pour tracer, pour décrit. Et puis, li gen soupçon accusation, li gen soupçon kidnapping zoudol, li gen accusation kidnapping zoudol. Et puis, li confortable, li pa pote plainte pou di se diffamation, li pa pote plainte pou di Pierre Espérance a fait menti sou li, li pa pote plainte pou di media wele de fausses informations sou li, li confortable. Mais moun jodi a kap décider de sécurité ou de avenir pays. Ou pral dim Haïti sou route changement, Haïti sou route pou gen sécurité. Alors que bon dou, même ki tel ça, même ki tel comme ministre de l'Intérieur, descend dans ministère de l'Intérieur, al gade s'il la. Bureau de Montana lié. Bureau de Montana pendant que nous konnen ministre la descend al travail et la descend chan masla al nan bureau et puis n'a paye chan hôtel pour lui nan Montana pour installer bureau pour le recevoir nan bureau ça pas contre s'il va recevoir tifon ou pas contre s'il va faire crayon ou pas contre ça pas contre s'il va recevoir bandi gang yo pas connait ça la régler pas connait ça la régler sauf que jodi an comme vice-président CSPN comme ministre de l'Intérieur nous prenons nèg m'pa konn comment m'ka décrit modèle moun sa voyou sa yo m'pa wè ki mo jodi an la pou nation décrit nèg sa yo délinquant sa yo
pour nous prendre, pour nous mettre dans la tête l'État, nous mettre dans la tête institution. C'est une institution qui est stratégique dans le pays. C'est eux qui ont décidé. Pendant temps, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés à l'agence SINSA, l'agence service d'intelligence nationale. Ils sont arrêtés, pas vrai. Qui est-ce qui ne connaît pas? Non, lui-même. L'elle démonte, elle n'a pas de information sur yo. Alors que yo là, depuis sous Gonzague, depuis sous Jovenel yo là, ou pral dim nek za yo ki la sous Gonzague, ou monte, ou remplace Gonzague, comme sou pa fon inventaire pour koné mes derniers moun ki passe nan tel poste, mais depuis qu'il est là, ou pa fon ken inventaire ou seulement rentre dans sa van nan, et puis ou pral l'argent. Ou seulement rentre dans sa van nan, j'vin jouer avantage, vin ou les machines officielles, et puis ça s'arrête là. Et quand ça bagay yo easy, bagay yo facile. Alors que jodi yon pral konnen que Ariel lié avec Badjo li lié avec Service Intelligence Nationale, avec SINSA. Badjo, à un certain moment de la durée, la commande des services ça en dedans ministère de l'Intérieur. Et ça qui pire du jodi yon là, même RNDD a sa sorti rapport pour yon dou, gen 3 nan agent yon arrêté yon. Et toi, là, j'en ai arrêté, yo fait partie de gang Chris là. En sérieux. Même là, ou pas de qui tel dit tweet, li silence net, li pas dit rien. Li pas sorti col pour le ministère pas au courant. Li pas sorti col pour le ministère au courant. Alors que, des fois, les ont besoin de marrer, moun pour yon marrer, les ont besoin de faire des séries de coups de filet. N'a intérêt pas, yo. Moun qui a problème avec yo. Yo toujours gon alerte a mette sur telle machine, yo toujours gen telle alerte a mette. Mais machine kidnappé yo, machine gang za yo, kap travail ki gen relation avec ministère de l'Intérieur, ki tel pa mette alerte sur yo, ki tel pa mande PNH a mette alerte sur yo. Na comprendre côté nous yé. Na comprendre côté nous yé. Les gang yo gen uniforme la police, yo gen plaque officielle, yo gen plaque immigration temporaire, yo gen plaque service de l'État. Na comprendre côté yo joine yo. C'est même groupe yo, c'est même mafia yo, c'est même gang yo. Maintenant, nous gagnons en 4e position. Faut me dire nous gagnons France LB. France LB lui-même lui joue rôle comme secrétaire exécutif au niveau du CSPN. Il c'est 4e membre du CSPN. Mais pas oublier France LB peut-être ou capable connaître le Léon Charles sorti et lui démissionner, France LB vient représenter, vient remplacer, disons. France LB ça, il gon parcours en dedans PNH. Mais à un certain moment, le France LB t'a fait l'appui et le beau temps parce que tout le monde gon passé, mais passé France LB il pas glorieux même, il pas glorieux. Jodi on pral râler, on pral râler passé, ça on pral mettre là. Est-ce qu'elle fait honneur? Est-ce qu'elle fait honneur institution? Qui sanction que tu prends contre lui? Ou pas le connaître? À un certain moment, France LB t'a dirigé en commissariat Croix des Bouquets. Pendant France LB a dirigé commissariat Croix des Bouquets, même France LB ça, lui c'est mon compère. N'entendez bien? Lui c'est mon compère, un chef gang dans Croix des Bouquets qui relétie lui. Ça y a avant, et ça c'est avant, nous avons vu un homme 100 jours, nous avons vu un David, nous ne voyons pas que l'autre gang a des bouquets. Ça y a avant l'exil. Le ça, c'est lui-même qui met quoi des bouquets. Thierry, ça, il est recherché par la police nationale d'Haïti. Thierry, ça, il y a un dossier qui pilonge Bram en dedans des CPJ. Kidnapping, assassinat et. Bagay salet, vol de véhicule, un paquet de vieux dossiers. Mais ça pas empêché, c'est mon compère France LB. Ça pas empêché France LB baptiser petite li. Kou nou pral di, et ça pas rien. Est-ce qu'on pral di ça pas rien? Mou konnen gen nan nou kap di ça pas rien. Mais en sérieux. Tout pas dans la police a cherché France LB al baptiser petite. Et Thierry, population fait grand scandale, population fait grand lame de zé. Parce que yo estomaqué, yo senti yo vexé pour même qui commande dans commissariat, pour même qui t'associe à protéger moun gwa de bouquet, c'est ou même qui a baptisé petite gang, petite bandit qui a fait moun yo mal, qui a terrorisé moun yo mal, qui a terrorisé moun yo matin midi soir. Qui ça vient arriver? Eh bien,
Ti Elisa tellement gen pouvoir. Ti Elisa tellement gen autorité en dedans et Kwame Bouke à l'époque, lui font premier kidnapping. C'est lui-même qui ouvre van kidnapping dans Kwame Bouke. Ça m'a ba nou information que FJKL mettez dehors. Ça y est, rapport FJKL là et Fondation Marie-Olène Gilles l'a dirigé. Faut que nous cherchions pour nous connaître. Faut que nous fouillions l'information là. Parce que nous pas qu'à admettre aujourd'hui là, nous à l'heure de l'information, tout dossier là, toutes données là, et puis vous n'avez pas qu'à être délinquants qui occupent l'État, qui occupent des fonctions stratégiques dans le pays, pour nous pas chercher dossier au palmarès, pour nous venir porter bas. Qu'on y a qui s'accrive. Pendant temps de toute bagaille, yo. Pendant temps de Thierry, c'est lui-même qui a pouvait van kidnapping en dedans, quoi des bouquets. Ça pas ébranlé, non? Ça pas ébranlé France LB à l'époque. Parce que même si Elisa et France LB gon caille dans Santo 17, Thierry, li pas honte, li douce lui-même qui fait caille là, qui construit caille là, fait parrain, il fait mon compère le cadeau. À qui l'argent, qui travaille honnête Thierry t'a fait? Rien, sinon que fait kidnapping. Par contre, si nous oublions et kidnapping un jeune demoiselle qui était quoi des bouquets, qui était les phares, qui était kidnappé, violé, qui a fini violé, pété gel, après ça, qui a jeté. T'es gagné tout, un ancien candidat à la députation quoi des bouquets. Il a été kidnappé, lui-même, il n'a pas tué. Il n'a pas tué, il a été payé en son libéré. Et là, il a fini libéré. Même Francel B, ça, rapport là, fait comprendre que Francel B était à visiter. Candidat. Et puis l'arrivé, moun yo tel, moun nan zon madame nan tellement énervé, yo fait manifestation, et puis l'al fini, yo di ancienne candidate là, on konsa passé, ou pa ka nan recevoir France LB la kayou, parce que, jodi an la, li pa te ka admet, li baptise par, li baptise petit Thierry, et puis c'est moun sa qui participe nan kidnapping, et puis c'est moun sa. Comme ma colite nous a recevoir visite non mais le cas vient ouais comme moi après kidnapping non mon yo était vraiment fâché et puis yo était venu retirer France LB en bas et bagaille mais gros paquet incident qui passait avec Thierry Elisa Elisa était tellement gain contrôle commissariat quoi des bouquets ou vient porter plainte pour le matin à soir tout yo ça t'est arrivé au chauffeur en chauffeur camionnette. Li vin pote plainte, li la bay des informations, mais comment la police ka fait pour arrêter Thierry? Thierry a la station quoi des bouquets, li tire le devant tout le monde. Li tire le devant tout le monde, il dit m'a prendre sorte de faire ou sorte pour plainte moi ou sorte raconter comment yo ka kembe et cetera et cetera, mais pour. Li ouvert bal sur chauffeur. À l'époque, qui est qui dans tête commissariat quoi des bouquets? France LB. Là, nous sommes présentés au quatrième membre dans CSPN. Parce que nous avons démonté la pièce par pièce pour comprendre qu'on prend avec Nexayo. Parce que sur 5 membres dans CSPN, 4 graves accusations comme gang, comme délinquant de dans le pays. Ariel Henry, comme président CSPN qui participait à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ou gagné Berto Dorsey comme ministre de la justice, deuxième membre CSPN, vice-président CSPN, qui lui-même lui passé de présentation comme trafiquant de drogue. Ou gagné Liz Kittel, encore vice-président CSPN, qui passé de présentation, qui c'est troisième membre CSPN dans tout, dans cause kidnapping. Ou gagné DGPNH, lui-même qui c'est quatrième membre CSPN, nan, et qui jouait rôle secrétaire exécutif. Oh, monsieur bon palmarès c'est là. Monsieur bon palmarès de série de monde corrompu qui décidé. Et en cinquième position, vous gagnez inspecteur général PNH, Fritz Saint-Fort, parce que et le France LB Montéan, il fait remaniement, il change ça pour le changer, le transfert, ça pour le transfert. Et bien actuellement, là, vous avez Fritz Saint-Fort qui c'est inspecteur général PNH. Pas de grandes choses. Ça ne veut dire pas de rien du tout. Parce que depuis que nous toujours comme ça. Là, nous n'avons pas de orange. Là, nous n'avons pas de orange. Depuis que nous commençons à pourrir, nous avons toujours un petit côté. Nous avons commencé à pétrir. Depuis que nous commençons à pétrir, nous ne pouvons pas sortir dans l'eau. Ça a fini. Ça a fini. Ou risquer victime. Ou risquer passer parmi la foule. Ou risquer prendre même soir avec vous. Donc, je dis alors pour comprendre. Ce n'est pas seulement accusation qui gagne sous deux quatre personnalités. Ça yo. Ou pral comprendre que CSPN, on a parlé de CSPN de grâce.
Conseil supérieur police nationale, les grands dossiers, plan stratégique, avenir sécurité au pays, un ensemble de détails importants, c'est là pour yo traiter, c'est là pour yo analyser, c'est là pour grande décision yo sorti. Et c'est pas sans raison, attendez, le ISO a bay problème, le tilapia a bay problème, kidnapping, ok, kidnapping a valé terrain. Combien fois attendez Francel B, Lidoul pral fon adresse à la nation, pour aller faire une conférence de presse, un point de presse, pour comme si pour imprégner de réalité qui gagne. Nous avons un problème, nous présenter solution pour nous avancer. Mais nous pas faire longtemps qui sont qu'on nous. Longtemps les policiers dans la zone, depuis que bandit là, bandit en fricat. Jodi, notre temps à vivre là en Haïti, un policier, il arrive dans la zone, il cache ça, li, avant tout le cache ça. Li. Il n'y a pas de pièce pour nous connaître ces policiers liés parce que qui s'accrive, qui sont réservés pour lui. Depuis le monde, depuis bandit en compte mon policier dans la zone, c'est attaqué, oui. Hier, je regarde en photo un policier yo assassiné. Bandit canard rentre juste là quand il y a policier, il prend policier, il a tué policier. Et information fait quoi policier, il n'y a pas de prendre un balle, il n'y a pas de pèse, il n'y a pas de détails. Ah, il y a ouais pour nous sacrifier jeune garçon. Donc on pral di mon jodi an la et bandi pechef. Non. Yo pa pechef parce que yo bon raison pour ça. Le bandi an, le gang nan konnen au plus haut sommet de l'état, moun ki pou ta combattre li, moun ki pou ta a courir derrière yo, c'est allié yo lié. Yo nan même panier avec yo, c'est même orange pour yo. Non parce yo pral pe, non parce yo pral gen craintif, jamais. Donc qui ça doit faire? Qui ça doit faire jodi an, c'est retirer modèle moun sa yo nan figi nou. C'est retiré en figino. Là, ou gen 5 membres de SPN, ou gen 5 membres qui gen responsabilité pour yon vina avec des plans stratégiques, pour yon combattre la sécurité, pour yon garder comment yon pral rétabli comment yon pral rétabli circulation Matissa, comment moun Matissa fait pour yon retourner la caillou, comment moun kwa le bouke a fait vivre tranquille, comment yon pral fouye une question kidnapping de massa. Comment yon pral freiner une question gang sa qui fin prend pays? Yon pa fèl, yon pa fèl, yon pa gen bonne volonté pour yon fèl. Et pas attendre nous que yon pral fè quoi que ce soit, parce que li pa nan intention yon. Li pa nan intention yon. Au plus haut sommet, je dis en Ariel qui préoccupation le gen. Tout préoccupation le fige non sel ligne, oui. Chercher couvrir Paul, chercher toute façon possible, imaginable, pour ne pas jamais découvrir, pour ne pas jamais aller devant la justice. Ben oui, c'est ça. Tout acolyte lié. Et pas acolyte lié. Ça, c'est pas acolyte. Mais justice, c'est pas acolyte lié. C'est avocat Ariel, lui, dans le dossier et dans toute accusation de Dieu là. C'est lui-même, moi qui t'a défendu devant doyen, lui, il a mis interdiction de départ. Le commissaire du gouvernement te mette, et Bedford Claude te mette interdiction de départ contre Ariel Henry. C'est même Bertrand Dossé ça qui a défendu, ni avocalité. Acolyte, défenseur. Je dis, on est complice. On est complice comme récompense si ça qui ça le fait. Li pou on li metto dans tête ministère de la justice. Kounya, on délégant, on doit dire, c'est lui-même qui pral défendre. Et c'est lui qui pral défendre. Moi, c'est lui-même qui symbole, qui représentation. C'est lui-même qui prend le rôle représentant officiel en termes de justice. Là, on a parlé de ministère de la justice, représentation, nous et tout le bagaille. Et puis, l'on a vu regarder derrière qui est ce pralouè, on doit dire l'ek pral parle de justice. Il est condamné, il est arrêté. Il est grave en Haïti. Haïti, ça, c'est là pour là. C'est là pour là. Donc, nous, on va yo, nous, on yo. M'pare mais seulement laisser dit m'a dit nous sans que nous pas comprendre ou bien sans que nous pas ouais bagaille là ou cap garder et article qui traitait de qui fait disposition de membres du SPN yo ou ouais tout bagaille là tout bagaille devant jour donc kounia qui responsabilité ou même comme haïtien est-ce que n'a chita là n'a mandé pour nous joindre l'argent ensemble. Ou bien nous pral passer à vitesse supérieure. Hein? Non seulement nous pas admettre pour kidnapper, kidnapper petit, kidnapper proche, non. Mais nous pas d'accord que c'est nèg qui dans l'état,
c'est nèg sa yo qui t'a censé protéger nous pour c'est yo qui a protéger kidnappeur parce que kidnappeur travaille pour yo. Pour c'est yo qui a protéger gang parce que gang a travaille pour yo. Dans l'état on reconnaît nèg sa yo bien. Depuis c'est nèg qui n'a bagay qui rentre dans l'état ou reconnaît yo bien. Parce que depuis dénoncer yo dou, c'est machination politique, c'est persécution politique. Ou pas ouais leur parler Ariel et de assassinat Jovenel Moïse Aldou et gon moun ka fabrique information c'est machination politique c'est persécution politique. Ah oui les a parlé de parents nous pas toujours dans les mêmes bagages persécution politique. Il a parlé de Lise Kitel en pas occupé persécution politique. Beto Dorsey lui-même il pas qu'à faire un service collé pour dire persécution politique. Tout le monde toute information visible registre là archive là. Donc, ou pas ka ou te condamné vrai. Ou te arrêté vrai. Ou pas ka dise persécution politique. Les faits sont là. Faut nous dévoiler yo. Et monsieur, I'm sorry pour nous. Désolé pour nous. Faut que peuple connaît exactement qui est nous. Et faut que peuple connaît avec nous même dans CSPN. Non? Avec nous même jodi an là. Dans tête l'État. Pas aucune crise sécurité qui pral résoudre dans le pays. Au contraire. Au contraire, on a pas pire situation. Même là dans les États-Unis promettent des millions de dollars. Canada promet formation pour agents sécurité, agents de police. C'est des promesses, c'est des l'argent qui a toujours débloqué. Mais en termes de réalisation, en termes d'attente, ça nous attend aujourd'hui de Nexayo, nous pas besoin d'espérer rien. Pas espérer en rien, nous dit nous ça. Noir sur blanc, l'endan des gangs, monsieur gang ça Abdou, il y a 30 000 balles qui viennent. Nous pas besoin d'étonner côté a sorti, pas besoin d'étonner qui est capable porter le bayo. Pas besoin d'étonner de bagarre ça. On est pas doit étonner dans la République aujourd'hui. Bien. On nous prend pause mon regard, n'a pas tourner après. Mais c'est nous-mêmes qui avons fait Bekate, Zesof Moringa pour tes solutions à pour nous. Gains outils si on peut mal cap permettre allonger peni ou bal longue ou vle pour mon ouvle. Gain bande si on comprimé cap permettre gain bon gens endurance sexuelle. Wow! Pour plus d'informations, relez dans 514 886 97 76 ou bien visitez site là www.zesofmoringa.com. Depuis les m'a utilisé pour mat gen outil à comprimer gen bon, mesdames c'est mariage seulement y a mandé. Comme déjà annoncé, aujourd'hui on a une entrevue avec un diplomate, monsieur Guerrier, il est en attente là. Dans ce moment, nous allons parler avec lui sur des bagages qui extrêmement importants. Déjà, nous voyons comment et guerre russo ukrainienne dans la avancé et conséquences yo en pile des conséquences économiques des conséquences diplomatiques étant donné que moi-même toujours dis nous ça m'pas expert faut que chercher expert yo à chercher yo mener yo pour nous pour l'expliquer nous de quoi il en est. Je dis en là nous pral parler sur revirement diplomatique qui gagne par mon côté États-Unis dans ça qui gagne pour avec Venezuela nous ouais et non comment ça se maintenant là qui ça te gagne te gon délégation au plus haut rang et des États-Unis qui t'a rencontré Nicolas Maduro. Mais c'est pas seulement ça. Gros paquet enjeux économiques qui commençait à valer terrain là, prix produit qui commençait à augmenter. Nous en Haïti là, gagne gratte gaz. Donc monsieur Guerrier pour expliquer nous en long et en large conséquences et qui ça nous attend en Haïti. Bonsoir monsieur Guerrier, comment vous êtes et bienvenue dans l'émission Mon Éditorial. Allô? Passé en Ukraine également au Venezuela. Allô? Oui. Allô? Oui, vous pouvez présenter ou à l'antenne maintenant. Ok, en fait, merci. En fait, je suis Marken Love Gloire Gens Guerrier. Je suis licencié en diplomatie, relations internationales et puis staff et jeune acteur pour le changement et global potentiel pour Haïti. C'est un plaisir pour me participer avec nous dans l'émission Asoya pour que nous capables d'aller en des situations qui gagnent sur scène internationale actuellement, qui gagnent des conflits entre l'Ukraine et la Russie également, le revirement qui gagne dans la question et relations Venezuela avec les États-Unis d'Amérique.
Bien. Et déjà, première question, nous allons rapide et pour nous comprendre, nous avons une émission bon créole, thème, c'est vous-même qui connaissez thème. Donc, c'est sûr que vous allez expliquer pour nous connaître exactement qui ça vous attend. Déjà, il y a un embargo gaz que les États-Unis mettent sous la Russie. Qui conséquence économique nous attend nous en Haïti et par rapport avec l'embargo ça? Ben, pour nous d'avant parler des questions ça, ça d'après moi de vous nous tourner un petit calme dans l'histoire pour capable comprendre ça qui passait. Parce que, sous question Maduro, c'est pas un bagage qui finit qu'on y a. Actuellement, la société internationale là, elle a fait face à plusieurs conflits, mais surtout, c'est le soft power que utilisé dans la relation internationale. C'est pouvoir douce, côté qu'il a utilisé des stratégies pour être capable d'imposer à l'autre pays de ça que vous voulez, ça que vous pas rentrer dans le conflit direct, utiliser nucléaire, même genre avec un pile monde pris, tant que est capable de déboucher ça avec la troisième guerre mondiale. Donc, ça vient fait que par rapport à un jeu stratégique qui gagne dans la région, surtout par exemple avec le Venezuela, les nous considérer par rapport à cinq pays qui réservent pétrole dans le monde, il fait partie de première position et il fait partie de top 5 là. En 2013, après et Chavez lui-même était mort, Maduro lui-même est venu au pouvoir. Ça va nous permettre que la Russie lui développe des partenariats ensemble avec le régime ça. Et l'Europe ensemble avec les États-Unis eux-mêmes, ils étaient opposés avec le pouvoir Maduro pour permettre que, sous question d'ordre géopolitique, le fait que il y a des réserves, les États-Unis, les qui ont besoin de pétrole pour alimenter les territoires par là, ils ont besoin d'aller justement en Orient, surtout avec Aliel qui c'est l'Arabie Saoudite pour capable d'aller le pétrole pour capable fonctionner. Et là que nous gardé comme élément de puissance, pétrole actuellement, même si l'or a joué un gros rôle dans le temps qui passe, pétrole là, pour le moment, vient utiliser comme stratégie extraordinaire pour permettre que capable de bien et transport, déplacement. Donc puissance repose sur la capacité que vous gagnez pour permettre que vous capable gagner réserve d'or et pétrole également pour être capable de fonctionner. Donc, là, regardez 15 millions de dollars et gagner au Venezuela, gagner en cas de perte par rapport à la crise qui était développée. Hein. Ça va nous permettre que et chaque jour, l'économie Venezuela, lui-même, lui-même a chuté par rapport à la stratégie américaine qui a développé pour permettre qu'il soit capable de venir face à lui-même. Il vient d'entrer dans une guerre froide. D'ailleurs, si nous avons des dernières déclarations de Poutine fait, il prétend que les États-Unis prétendent qu'ils ont gagné une guerre froide, mais lui-même, il a positionné une question de guerre qui peut cocher un fini. Et avec la crise qui vient de gagner, par exemple, avec la Chine qui vient octroyer des prêts ensemble avec Venezuela et en échange pétrole, vient gagner des appuis qui viennent créer dans la région, hein, qui viennent permettre que Venezuela lui-même lui paraît comme une menace, comme Obama lui-même l'était fait connaître pour les États-Unis, parce que vient gagner intervention russe qui vient faire dans l'Amérique, là, qui vient aider pour capable peuple vénézuélien capable de faire face avec expansionniste américain qui a utilisé des stratégies pour capable de contrôler sur le pétrole qui a gagné. En 2019, le fait que le gouvernement américain avec l'Europe a été soutenu, le gouvernement non légitime de Juan Guaido, a été accepté Juan Guaido comme président de facto et par suite à l'élection que l'Europe contesté. Ça a été présenté comme un problème par rapport à la géopolitique régionale. Et puis, il y a une chute PIB à 60% de pétrole vénézuélien qui vient rentrer et il y a prendre des sanctions contre le Venezuela qui vient présenter malgré la pandémie coronavirus dans un contexte extraordinaire. C'est comme si c'est un pays qui était en guerre directe ensemble avec lui. Donc, c'est une raison qui fait que il y a un pile d'autres pays qui croient que c'est un crime contre l'humanité. Le fait que Biden, par exemple, a utilisé le soft power, tandis que Trump lui-même a utilisé le hard power pour permettre qu'il soit capable de retourner dans la question de doctrine dans la région. Et puis, il y a une stratégie que la Russie lui-même a utilisée, l'aile facilité vénézuélien à utiliser Sputnik 5 comme vaccin pour capable faire face à coronavirus. Donc, coalition qui est venue au niveau international avec Chine, la Russie, va nous permettre qu'il soit capable de supporter le gouvernement vénézuélien, surtout avec un accord qui a été signé côté que Venezuela à bail gaz
et puis la Russie ensemble avec la Chine yo bay corp pour permettre que yo capable supporter et peuple vénézuélien dans situation difficile qui gagne. Donc élection 2016 aux États-Unis même yo té appuyé surtout sur question multilatéralisme pour regarder comment yo capable et affaiblir Venezuela, le fait que malgré toute stratégie sanctions que yo mettez contre Venezuela, mais et Juan Guaido pas arrivé vraiment capable de remporter ou bien passer et en application politique américaine pour être capable de renverser le gouvernement. Les nous considérer par rapport à la stratégie que les États-Unis utilisent avec le groupe de Lima qui est là dans le Brésil pour permettre que soient capable renverser le gouvernement et Maduro, malgré le toujours campé. Donc, ils ont utilisé une stratégie multilatérale côté que même Haïti est venu voter contre Venezuela pour te mettre le lion en OEA qui est venu faire un scandale international. Pour le moment. Écoutez, un moment, monsieur Guerrier, écoutez. Et jodi an la, c'est pas jodi an, non, pendant semaine nan, quoi, hier, gagne libération et prisonniers américains que Nicolas Maduro a ordonné. Est-ce que ça, c'est souligne une réponse positive que Nicolas Maduro comme si il était prêt pour répondre avec deux modes gouvernement américain dans et à la suite de réunion de rencontre qui était gain dans ça qui gain pour avec décision pour et Venezuela t'a vu nos partenaires, un nouveau partenaire pour États-Unis dans question gaz. Et ça qui est vraiment important sur scène internationale là pas gain ça ou l'ennemi à vie. Donc mon qui considéré comme non allié pour aujourd'hui à demain, c'est le même qui est un partenaire stratégique. Donc par rapport à la situation qui a passé actuellement en Ukraine avec la Russie, nous connaissons la Russie qui représentait 40% pétrole pour son marché européen. Donc le fait que l'Europe avec les États-Unis ont décidé pour la sanction, donc ils rentrent dans une bataille serrée avec la Russie pour la question de l'Ukraine. Donc la Russie a envisagé des réponses pour capable bailler avec l'Occident parce que son bataille qui liait non seulement qui remettait en question l'hégémonie mondiale, tout système international là, parce que l'on a considéré que gens qui a fait qui vient camper face à la Russie, il y a une bataille qui était commencé bien avant qui c'est une bataille stratégique côté que utiliser soft power pour capable bailler menti pour capable présenter Vladimir Poutine comme en bête. Non, ça vient faciliter que la Russie lui-même les vienne contre-attaquer avec d'autres stratégies économiques pour dire qu'il y a campé pour pas alimenter l'Europe en pétrole ou en gaz. Donc toutefois, ça arrive, la Russie a un problème. D'ailleurs, actuellement, nous avons commencé à jouer des impacts. Impact qui est énorme par rapport à les tombées qui viennent gagner dans la question gaz, prix gaz qui est à doubler son marché international là. Les États-Unis cherchent une stratégie et comment que les capables retourner, renouer relation qu'il y a avec Venezuela en façon pour permettre que pour capable résoudre problèmes dans la région, parce que nous avons un contexte géopolitique qui est extrêmement fragile, parce que surtout Joe Biden, il a regardé bilan Joe Biden en tant que président, il décrit aux États-Unis avec surtout suite du coronavirus que il vient tomber et inflation lui-même a augmenté et aux États-Unis, prix gaz en Europe et même en Afrique qui a commencé à frapper en pile, il y a un pile pays qui est en situation difficile. Par exemple, voilà, oui, on va arriver directement sur Haïti, mais l'augmentation du prix pétrole actuellement, le prix baril là, qui est doublé en euros, prix produits fabriqués et pour matières premières, il a augmenté. Par exemple, il y a une grève qui a fait actuellement et transporteurs en Grèce qui commençait en Égypte surtout commençait une crise alimentaire et comme le fait que nous connaissons l'Égypte lui-même c'est premier importateur mondial de blé qui vient directement de l'Ukraine avec la Russie. Il y a l'Algérie qui commençait gagner des augmentations des prix au niveau de bagages produits alimentaires de première nécessité qui vient présenter des soulèvements malgré l'État lui-même lui venir ensemble avec question pour capable supprimer ou bien subventionner taxes qui étaient gagnées. Ça vient poser problème en Tunisie par exemple produit
et de base qui est augmenté et nous tout là bon côté voisin nous tout nous gain République dominicaine qui est envisagé pour garder comment elle cas subventionner pétrole là donc ça va venir des impacts énormes sur Haïti le fait que nous connaissons nous mêmes nous pas gain en fait nous pas exploiter ressources que nous gain par exemple en pétrole ça va venir des retombées surtout dans le contexte que Haïti lui-même l'y trouvait déjà les nous a considéré que pays loc nous te prend frappe et retombée économique nous commence à sentir le coronavirus venu te gain blocus te gain problème au niveau de coopération internationale également de finances publiques ou bien budget national là économie pays a été vraiment à la baisse et guerre en Ukraine n'a pas venir des impacts sur ça nous pas oublier que l'état qui en faillite le fait que nous pas une institution qui campait donc avec un gouvernement illégitime donc on va dire Haïti qui pral connaît vraiment c'est pas pour faire mon peur mais des situations des moments vraiment difficiles parce que c'est importé nous importer produits ça et yo te gain faire une augmentation déjà qu'on est là qui stratégie gouvernement pral capable mettre en place pour capable faire face ensemble avec crise ça c'est une question que tout le monde doit poser c'est vrai et parce que la farine qui était $35 américains sac mais qui est passé il était mettre $10 non au moins il était monté $45 donc là nous pral confronter de graves problèmes et en dernière question avant nous finir et qui ça nous attend aujourd'hui là par rapport avec position Venezuela est-ce que rapport Venezuela et Russie lui risque impacté par rapport avec revirement ça qui n'est pas bon côté États-Unis ou bien et Venezuela non mitan là Venezuela pral nouveau pion entre la Russie et les États-Unis. Mais jusqu'à maintenant, Venezuela lui-même il a intérêt, il a intérêt pour que il pas aller trop fort parce que jusqu'à et par rapport à la relation qu'elle dégaine elle que la Russie lui-même il a Bali et également avec la Chine et il pas pas courir trahir intérêt ça tout en tant que il pas joindre vraiment et ça que il besoin et c'est un bagage qui fait que toujours dit haïtien le plus souvent nous parler avec sentiment et ça fait là que Haïti te voté contre Venezuela moi même me dit bon peut-être que nous faisons un mauvais choix par rapport à l'intérêt qui ça que nous défendons là-dedans, mais ce n'est pas vraiment un mauvais choix par rapport à la ligne politique internationale. Là. Dépendamment de qui intérêt vous gagnez, vous êtes capable de faire un revirement diplomatique pour que vous soyez capable de défendre l'intérêt. Ça. C'est une raison qui montre que jusqu'à maintenant, la Chine, vous regardez dans Assemblée générale des Nations Unies qui sont faites là. Il y a plusieurs pays qui s'est allié et la Russie qui fait abstention. Ça veut dire par rapport à vote là, ils ont même positionné leur côté. Ça veut dire par rapport à l'intérêt qui ont gagné et Venezuela actuellement, il a joué sur plusieurs angles parce que avec la guerre qui gagne en Ukraine et la Russie, ça va faciliter que le marché a les favorables pour Venezuela. Et l'on considère que le peuple vénézuélien qui a fonctionné dans une situation vraiment difficile, si c'est une stratégie primordiale que Maduro est capable d'utiliser pour qu'il soit capable d'écouler les produits, et parce que l'économie vénézuélienne repose à 90% sur le pétrole. Donc, si c'est un pire, on met méthode que tu as utilisé pour permettre que tu aies découlé pour Dieu, pour sauvegarder l'économie. Je pense que même avec tout notre diplôme qui a réfléchi, qui a défendu l'intérêt pays, c'est ça qu'il a fait. Mais tout simplement, c'est pour un bagage que nous avons couru à courir là dès la 100%, dans la mesure où que nous connaissons qui ça Amérique fait. Parce que même situation qui est présentée face à la Russie, là, c'est presque même bagage qui était face à Mali. Et si la Russie n'est pas campée pour Mali actuellement, pour la France décide de faire donc, il a fait le même genre avec un peu l'autre pays qui était oppressé et que les États-Unis et l'Occident toujours a mené chasse aux sorcières pour permettre qu'ils soient venir avec des nouvelles méthodes d'expansionnisme américain pour réaliser ce système économique international. Ça qui veut mettre en question toute structure parce que
Les regardez les sanctions que vous prenez contre la Russie, les sanctions que vous prenez contre le Venezuela, c'est un bagage qui m'a aidé à réfléchir. C'est un bagage qui m'a aidé à réfléchir dans la mesure où que ce n'est pas un pays que vous n'avez pas appris. C'est comme si vous voulez finir avec l'économie et les Russes. Les regardez les dévaluations monnaie russes pour le moment. C'est un bagage qui est très catastrophique. Guerre en Afghanistan, guerre en Libye, guerre du Vietnam, guerre de Corée, tout ça, c'est même Occident qui vient ensemble avec lui, camouflé avec des idéologies. Aussi simple que ça, parce que c'est intérêt qui vraiment compté pour le moment, parce que les États-Unis, ils tiennent à ce qu'ils ont une présence militaire, ils ont une base qui présente dans presque toute région qui gagne dans le monde. Là, ils veulent utiliser autant ou bien instrumentaliser l'OTAN pour permettre qu'ils aient une présence physique sous frontière avec la Russie, qui vient énorme sur tout le monde. Bon, toute dernière question que je pose aujourd'hui là, par rapport avec les positions, nous FIFA proposition, UEFA proposition, et si je ne me trompe pas, le statut, notre statut qui régit le fonctionnement du organisme de football, ça veut faire comprendre que vous ne pouvez pas lier le football là, vous ne pouvez pas lier le sport avec les politiques. Comment vous comprenez la décision ça? Ben, tout ça, c'est application de soft power. Le fait que les États-Unis et l'Occident, ils pensaient que c'est eux-mêmes qui gendarment monde là, donc ils agissent dans la façon que ils pensaient qu'il y a bon. Et leur regardé qui est-ce qui gagne plus côté part de participation dans l'organisation internationale ou bien dans l'institution internationale ou au subsidiaire qu'il y a ensemble avec organisation à vocation multilatérale. Après, c'est les États-Unis. Donc, une fois que moi-même, je suis d'accord, donc tout ça me besoin, je suis capable de poser. Mais, une question que nous sommes capables de poser, côté FIFA, il y a une bataille et face à. Dans la guerre Vietnam, dans la guerre Libye, par exemple, dans l'Afghanistan, FIFA est toujours là. Pour qui ça? C'est vraiment là aussi que y a besoin de frapper comme ça. Par exemple, y a des sanctions pour y a fait le sortir dans Swift. Donc, et organisation ça. Côté yoté dans l'autre conflit qui est pour qui ça spécialement, c'est face à la Russie. C'est tout simplement son bataille géopolitique qui a fait et une bataille idéologique. Parce que nous en pleine guerre froide. Et puis, chaque position a essayé d'utiliser des stratégies nécessaires pour permettre qu'il soit capable de connaître les gens, capable de frapper l'autre. Puis fort pour capable permettre qu'il soit capable de gagner intérêt par eux, ça qu'il a défendre. Parce que c'est la FIFA même là pour capable de gagner ensemble de loi qui régit les gens et structure ça fonctionner. Pas rien qui ouait avec sa capacité là, que manœuvre politique qui a fait, une instrumentalisation de FIFA pour permettre qu'il soit capable d'exclure, qu'il soit capable d'asphyxier la Russie sur, à l'échelle de l'économie mondiale, pour qu'il soit capable de perdre en pile corps, pour qu'il soit capable de faire perdre en pile intérêt que ça qui a fait là. Ah, parce que ça qui gagne là, dans le regard des positions, c'est des clubs qui gagnent, russes, chaque tableau, les russes là qui gagnent pour participer dans compétition. Donc, tout match obligé de reporter. Il y a des athlètes internationaux qui ont mettre fin à leur carrière. Ils ont vraiment abjuré à voir. Donc, tout ça est venu dans une campagne de désinformation parce que ils ont nous des trois informations pour être capable d'alimenter nous, pour nous dire voilà, la Russie représente une menace pour le monde là. Donc, nous devons résoudre le problème. Ça pour pas venir comme un gros problème à l'avenir. Voilà, c'est ça, toute la paix, utiliser toutes les choses disponibles pour être capable de réaliser ça que vous avez déjà fait passer. Là. Merci, et je souhaite que vous vraiment te focus, vous êtes satisfait là de toute information. Bah, yo, m'espérer que nos prochaines interview et selon disponibilité, on va avoir plus d'informations, plus de détails, n'a suivre le déroulement de la guerre russo-ukrainienne. Merci, monsieur Guerrier, à la prochaine. Merci beaucoup. En fait, mais c'était que Mounio vraiment pas regarder ça qui a passé avec un yeux occidental parce que le regarder le conseil il toujours poser des problèmes. Préfère ou prendre un petit recul pour capable comprendre, poser telle question. Pour qui ça tel bagarre fait comme ça, laisse plus ou moins que on besoin des éléments de réponse qui capable aller puis bien porter solution ou bien éclaircissement avec problème qui en face. Merci beaucoup. D'accord. Merci, à la prochaine. À la prochaine. C'est l'heure du débat.
Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Ou remet pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits. Mon éditorial, on dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2h, monsieur Chanel parle là pour qu'à bien informer avec